Et y'a pas là, bonsoir à tous, bienvenue dans ce 21e épisode de The Last Run, donc consacré ce soir à Dead Cells. Donc Dead Cells, un jeu du cœur, hein, clairement, c'est pour moi peut-être le meilleur jeu 2018. J'ai adoré en fait. Quand il arrive en Early Access, il était déjà très cool, et puis il s'est bonifié avec le temps, et il continue à se bonifier. C'est ça qui est assez fou, c'est qu'il est sorti donc l'année passée, et les devs continuent à faire des updates régulières, gratuites d'ailleurs. Ce qui est assez incroyable. Alors là, je vois qu'il y a un nouveau contenu, donc Bad Seed, qui sortira donc début d'année prochaine, apparemment. Par contre, vu qu'il y a marqué Wishlist, j'imagine qu'il sera payant celui-là. Mais bon, en même temps, vu tout ce qu'ils ont rajouté gratos depuis la création, c'est la folie totale, quoi, clairement. Du coup, ce soir, on va jouer un peu. Je pense que j'ai déjà fait une première run en normal, hein, histoire d'être cool. Hein. En normal sans cells et puis voilà, puis après une fois qu'on aura un petit peu mieux le jeu en main, on tentera avec une cellule. Hop là, tac, merde, j'ai oui, c'était les anciens runs. Hop là, donc c'est ici, hein, pour avoir des cellules, sachant que pour l'instant j'ai que les deux là en fait. J'ai beaucoup joué, mais alors, ici on a le droit de choisir des différentes. On peut débloquer les nouveaux costumes au fur et à mesure maintenant. J'en ai débloqué pas mal déjà. Ouais, je pense que je vais prendre la Piccolo, c'est vraiment. Oh, cette musique est tellement cool. Et puis, Ulius, c'est très bien. Hein. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai envie de faire les roulades avec la gâchette. C'est quoi pour la prendre? Pourquoi je peux pas le récupérer? C'est bizarre ça. On va prendre faire un build de cac, c'est rigolo. Le principe du jeu en fait, c'est qu'on va pouvoir on va avoir un build en fait. Donc le build va être constitué de plusieurs trucs. Je vais rappeler vite fait les règles, hein, histoire de. Donc déjà, le jeu c'est un platformer, hein, comme vous voyez, faire un platformer avec creuser un petit peu Metroidvania, on va dire, dans le sens où on va débloquer des nouvelles routes au fur et à mesure. Et en fait, on va avoir donc trois grandes orientations, donc à brutalité, tactique et survie. Parce qu'on va avoir des armes et des pouvoirs en fait qui vont être liés, qui vont être rouges, violets ou verts. Et donc en fait, plus on va être haut dans un score, et plus les armes et pouvoirs liés à cette couleur vont être puissants également. Sachant qu'à chaque fois qu'on prend un truc, ça rajoute des PV aussi. Et par contre, plus tu bourres un truc, et moins ça ajoute de PV. Donc le premier coup, par exemple, le premier point de Bruta, ça va lui faire plus 50% de PV. Le deuxième, ça fait plus que 39, quoi, pour éviter quand même de... Voilà, donc ça par exemple c'est très cool la lance, mais ça coûte cher, mais elle fait un gros dégât quoi. On la prend. Alors sachant que là j'ai du pognon parce que c'est des reliquats de la run d'avant en fait. Donc là, je suis parti prendre des condamnés, mais il y avait une autre sortie possible.
Donc là, comme j'ai fini en moins de 2 minutes la première zone, j'ai le droit d'aller ici. Ce qui est plutôt cool parce que du coup, bah, ça fait voilà, plein de cellules. Et en plus, on peut récupérer un pouvoir ou voilà, un talisman. Alors ça, c'est une arme, c'est pas un pouvoir, pardon. Ça, c'est un pouvoir. Prends le talisman. Hop. Donc là, les cellules qu'on a récupérées, ça me permet de débloquer des nouvelles choses en fait. Donc soit des nouvelles armes, soit des nouveaux pouvoirs qui vont apparaître, soit des plus gros passifs de départ, hein. Des mutations également. C'est pas mal, ça va se prolonger là. Sachant que les objets débloqués, on a déjà débloqué quelques-uns quand même. Sinon après il y a quoi? C'était ça que je voulais? Ouais. Bah au pire on va prendre ça. Mais... C'est quoi ça? Donc là on va pouvoir... Je veux dire des. Mince. On va pouvoir acheter des passifs. Enfin, là, on va pouvoir recharger les. Reforger, pardon, les armes, armes et pouvoirs. Et ici, on pourra débloquer des mutations. Ça, c'est bien ça. La potion. Ça, je vais pas les faire, les roses, mais... Hop là, on va remonter rapidement. Le crime. Mmh.
Ouais, continuer à monter le verre en espérant qu'un truc sympa en meurt, quoi. Ouais, profiter de la prison, on va dire, on va aller là. Même pas encore, mais ouais, quand même. Oh, c'est tout le jour en pas de cellule. Le jeu en mode normal, c'est plutôt peinard. Du coup, que cette cellule? C'est nul. Papa. C'est pas trop mal ça. Y a ça qui est pas mal ça. Ouais. Non. Clé des jeux là. Il y a tellement longtemps que j'ai pas joué au jeu que je me rappelais même plus qu'il y avait profondeur de la prison comme ça en fait. Bim, la tête. Ouf. Il me fait un peu mal là quand même, faut dire que j'ai fait de la merde. Ah cool, un nouveau plan. Nice, lance de guerre. Ça paraît bien ça, une lance de guerre. Ah, c'est vrai que j'ai pas montré ça au début qu'il y avait tous les plans en hauteur. On va pas tenter, on a une potion, on sera un petit peu con quand même de mourir alors que... Oh, quelle tâche!
Ça marche pas sur les invocations en fait, l'espèce de vol de vie là. Je crois que j'ai bon, j'ai plus assez de dégâts là. Le charnier est par là, mais je me téléporte un peu plus loin. Qu'est-ce que je veux dire? T'as demandé toi pour avoir une clé de Darksburg ou pas, Krim? Ah mais je l'ai partout en fait. Ok. C'est du coup j'en ai reçu une, je suis bien content. Ce jeu il a l'air vraiment vraiment cool quoi. Du coup je suis assez hâte, j'ai vraiment hâte d'y jouer là, je vais jouer vendredi ou samedi. Faut jouer avec les autres quand est-ce qu'ils sont dispo. Lance de guerre, puis un cookie quoi, lorsque tu es plusieurs cibles. J'ai complètement zappé, ah dommage. Après moi j'en ai eu une donc je sais pas trop si si Willy l'en a demandé ou pas. Ça, ça peut être pas mal vu que je m'en prends un peu plein les miches ce soir. Ouais. Putain, comme c'est vachement plus classe là. Excellent. Et bah, Gramoun. Putain, c'est magnifique. Non, ils ont fait plein de petits changements comme ça, comme le fait que bah, le charnier, du coup, c'est une sorte de grand puits. Vous pouvez certes être par en vacances. Ah, je pense que c'est une bonne idée. Ouais, moi j'ai une journée très compliquée qui m'a dans le moins. Ouais, je sens que demain c'est une journée très très compliquée. Je l'ai fini en normal seulement. Quel trou. En normal, honnêtement, il est pas très dur. Quoi. Par contre, dès que vous commencez à mettre une cellule,
Ça devient beaucoup plus compliqué. Vampirisme. Ah ouais. Le problème c'est que là en violet, vu que j'ai pas eu tout mon tel violet, ça sert un peu à rien. Mais ouais, mais Dead Cell c'est un... C'est vraiment un de mes gros coups de cœur à 2017, quoi. 2018. Ce jeu, il est... honnêtement, il est fabuleux, quoi. Purée. Il est même mieux cher, Sonic. Ouais, il est sur la page d'accueil, on le voit, ouais. Par contre, la façon dont ils l'ont marqué, je pense qu'il va être, payant celui-là pour une fois, je pense. En même temps, je disais, ils ont fait tellement d'updates gratos qu'il y a un moment, il n'y a pas de souci, je paierai, quoi. Et je dis pas ça uniquement parce que j'ai même pas payé le jeu de base, donc je me sens presque tel un voleur. Bon, en vrai, non, parce que j'ai joué 90 heures, donc bon. J'ai vu ça tout à l'heure, j'hallucinais. Je pensais pas que j'y ai joué autant en fait. Oh! Mais c'est vrai que du coup j'ai beaucoup joué en. Oh! Mais c'est vrai que du coup j'ai déjà beaucoup joué en Early Access. Du coup. Ouais, très bien ça. 5$! Oh! Pff, putain, les mecs, mais ils sont. Mais ils aiment pas l'argent, c'est ouf. Oh mince, mauvais timing. Quand tu vois déjà tout ce qu'ils ont fait en gratuit, mais c'est complètement fou, quoi. C'est en vrai, depuis que le jeu est sorti, ils ont fait... J'aime pas quoi, combien de vidéos ils en sont, mais... Bien joué. Ah mais le sound design, le feeling aux manettes en main, c'est une tuerie quoi. C'est juste beaucoup trop bien graphiquement, mais il est magnifique clairement. Et depuis que le jeu il est sorti, ils ont fait plein d'updates. Notamment des updates pour les joueurs enfin, qui sont haut niveau, des updates pour les joueurs qui sont un peu plus bas level, etc. On va faire le jeu de base, après le BLRK d'édition et le champion. Le Temper 2. Pour Twingo? Tu veux dire pour qu'il développe le 2? Et voilà. Putain, c'est chiant quand t'as que des armes qui sont... Tiens... Et en plus, c'est rigolo, le sort délégué, c'est ça. Faut faire se traiter, quoi. Et en plus, c'est marrant, parce que les mecs, c'est une coopérative, quoi.
Il y avait pas mal de reportages qui sont en train de tourner là-dessus parce que vu que c'est vraiment les seuls à être comme ça dans beaucoup de domaines finalement. Donc c'est marrant, ils ont vraiment un système où tout le monde a le même droit à la parole et tout, c'est assez dingue quoi. Chacun a une voix. Ouais, c'est vrai qu'ils sont pas très loin de chez toi en plus. Alors attendez, là je viens de voir qu'il y avait un truc en dessous là. Alors c'est par où qu'on y va? Zone secrète découverte. Bien joué. T'as tout ça pour 500 boules quoi. C'est important de mettre mature, hein. C'est toujours bien ça. Alors, le problème de ne pas avoir boosté les compétences, c'est que j'ai des cooldowns dégueulasses dessus. Ça, open world et mature, on est bien. On est complètement bien, Tintin. Yo, Spoons! Nuage corrosif. Pas ouf, hein. Ah, c'est toujours mieux de pitcher en anglais, c'est important. Boum, et la tête, et la tête. Ah. Ah merde. Putain mais... Attends mais il était où le passage là? Ah là. Ah non. Ah oui ici. J'arrive pas à comprendre par où faut passer. Oui, bon, c'est pas bien grave, mais. Bah, ce que je disais, en fait, j'ai 89 heures.
J'ai halluciné tout à l'heure en lançant en fait. Je pensais pas que j'avais autant. Ah non, mais c'est même pas qu'ils ont rajouté plein de trucs, ils ont. Le jeu il cesse d'évoluer, c'est complètement fou en fait. Enfin, déjà de base, il y a déjà vraiment de quoi faire. Et au fil du temps, ils ont rajouté plein de choses quoi. Mais en fait, je l'ai bien pensé, oui et non, parce que j'ai beaucoup joué en Early Access aussi quoi. Donc en vrai, il me reste, j'ai plein de trucs que j'ai même pas débloqué là. Après, ceci, c'est des gens, ils sont pas normaux, quoi. Genre, j'ai vu une run d'un mec qui. Qui fait tout sans se faire toucher en mode le plus difficile, quoi. Ce qui est pas possible. Y a un moment où les gens, ils sont trop forts, en fait, ça va pas, quoi. Le jeu c'était sous la fin des mails, exactement, c'est ça quoi. Débloquer les items après, j'ai pas joué depuis, avec celui, puis j'avais fini ce jeu, ouais. Bah moi j'ai joué, ouais, j'ai balancé une run sans cellule. Hein. Bon, on va arriver au premier boss. Par contre, ce qui est un peu relou, c'est qu'en fait, j'ai des armes moisies quoi. J'ai des armes moisies. Je peux l'augmenter en qualité, ouais bah oui carrément. Tant qu'à faire. Hein. Ouais, va remonter. Ouais, bon. Ouais, je sais pas, je trouve qu'en normal ça va en fait. Enfin. Après, ils ont fait tellement de mises à jour en permanence que. C'est compliqué à dire parce que du coup. Oups. Hop. Et j'ai encore des trucs à débloquer sur lui, sérieusement? Ok, très bien. Neige corrosif, ouais, bof. Ça c'est rigolo ça. Voilà si je vais le prendre à la place de mon arc moisi là. Et c'est Sparta. Ah non c'est pas le Sparta, c'est le. Et en plus je balance des. Il balance des bombes quoi. Très bien. C'est pas joué, hein, mais faut être actif et t'as quand même beaucoup de mauvais. Ouais moi clairement. Mais je t'ai dit ouais j'ai vu Ouais. Non, il faut beaucoup d'heures de jeu, hein, parce qu'en plus il faut il faut vraiment bien connaître les patterns des ennemis, il y a vraiment plein de trucs à connaître quoi.
Ah oui, alors là, c'est une fois que t'es vraiment super bien sur le jeu et que t'as vraiment tout déverrouillé et tout, eh ben tu peux commencer à mettre des points là-dedans pour que quand tu chopes des objets, ils aient des qualités plus, quoi. Mais autant dire que c'est pas pour tout de suite, hein. Pour l'instant, j'ai encore tellement de trucs à débloquer. Alors, c'est quoi Styx? Un coup maintenu inflige un coup critique et projette une traînée de flamme infligeant 162 dégâts. Ok. Je ne connaissais même pas cette arme. On va continuer de débloquer ça et puis après on verra plus tard. Alors il y a deux choix, soit le guet des brumes, soit le sanctuaire endormi. On va faire classique, on va faire guet des brumes. Voilà. Et en fait c'est en ça que le jeu est génial aussi, c'est que plus tu vas jouer au jeu, tu vas débloquer des... Est-ce qu'on les voit là? Oh, on les voit plus les trucs qu'on a débloqués. En fait, t'as des sortes de pouvoirs à débloquer au fur et à mesure, des runes qui vont te permettre en fait d'accéder à d'autres endroits. Là, par exemple, au début, t'es obligé d'aller au guet des pommes, par exemple. Enfin là, même vu que j'ai la rune de l'araignée, je peux grimper au mur. Donc vu que je peux grimper au mur, je peux aller au sanctuaire endormi. Et en fait, le jeu il se renouvelle vachement comme ça en te proposant des chemins alternatifs. Ce qui fait que vraiment, toutes les, faut, je sais pas, peut-être les 10-20 premières heures de jeu, bah, tu découvres souvent des nouvelles zones parce que tu as débloqué au fur et à mesure des nouveaux passages en fait. Et ça, c'est une excellente idée quoi. Donc là, il me faut une. Ah oui, non, eux ils sont chiants. Ah bien joué ça. Oh trop bien, j'ai les petites larves qui me suivent, c'est rigolo ça. Ok. J'ai la clé du village. Village people. Il va rester. Watatata. Ah, et du coup, c'est Guile, j'ai un flash kick. Yo tout le monde sur Express, c'est Tora Street Kiamonda. Ah mais en fait c'est les œufs qui me balancent que je peux transformer en... Hop là, esquive. Roi, c'est un jeu. C'était me te faire du mal. Quelques heures sur moi, c'est mieux depuis. Nanana, mais ça reste vraiment une arme déception. Ah ouais? Si bon jeu avant, c'est vraiment comme ça. J'ai pas lu encore. J'ai pas lu. J'ai pas encore regardé Selena. Elle a peur que ça ait touché pour les squelettes. C'est vrai. C'est d'autant plus rigolo qu'à l'époque, en plus avec les rollbacks et tout,
Des fois, tu le sais, tu t'es déjà mort, mais tu le sais pas. Il y a un petit côté Ken survivant, du coup. Bah ouais, carrément que je vais me donner un incendiaire 5 à la place de... Et c'est moi ou la bombe incendiaire 5, elle est pas plus forte que la bombe incendiaire 2 plus ? C'est ouf. Oh merde. Ce que j'ai vu, il y avait Bananosaurus Rex qui... Ah, Spartiate, c'est rigolo ça par contre. Ah, mais que 64? Ah ouais? Ah, mais on va le prendre parce que c'est marrant. Oh non, je me suis couru! Mais quel mon... Ouais, c'est bon. Dites rien, ça va quoi. Ah bah non, mais la compétition sur PO, là, elle est ultra vénère quoi. Et une compète en SSF hardcore, ça c'est une boucherie quoi. Sur une ligue où on connaît pas les boss. C'est hardcore, très exigeant, non, ouais. Ouais, Wings of Lee, celui d'avant, ouais. Ouais, non, mais là, la compète sur PoE, ça va être une... Ça va être une boucherie. En trépas, c'est une véritable boucherie. Ça, je suis dégoûté, quand même, d'abord... Non, j'ai pas... Je suis pas allé voir ton truc. En vrai, ma journée a été compliquée, enfin étonnante. En gros, j'étais au taf et vers 10h15, paf, plus d'internet. Donc, je suis en train de faire le truc, du coup, j'ai pas fait gaffe tout de suite. J'attends un peu, j'attends un quart d'heure, toujours pas l'internet. Je me dis, bon, bah, je vais quand même essayer d'appeler Orange. J'appelle Orange, boîte vocale, donc je mets le numéro, machin. Oui, les perturbations avec le secteur sera rétabli d'ici 16h30. Ah, très bien. Très bien, très bien, il est 10h30 ou 11h moins le quart, je sais plus, 13h30. Et en fait, j'avais un client qui devait venir à 14h pour, bah, pour un site en fait. Du coup, j'appelle mon boss, je fais bah là, il y a un problème, il n'y a plus internet, donc bah, je sais pas si ça va être rétabli pour tout à l'heure, donc bah, prévenez-le pour lui dire que c'est pas sûr. Et au début, je disais, au début, je voulais rentrer chez moi pour taffer depuis chez moi, et puis je lui dis en même temps, vu qu'il y a le client qui est à 14h. Je lui dis, bah écoutez, dans ce cas, ce que je fais, à la limite, c'est que je reste au boulot, parce que j'ai des trucs à faire hors internet, quoi. Je bouffe là-bas, et puis à 13h30, je vous rappelle pour vous dire si ou non ça a établi, quoi. Donc c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai taffé jusqu'à midi. Après, j'ai bouffé, et puis, heureusement, j'ai pris un bouquin pour la pause de midi, quoi. Heureusement que j'avais pas tout misé sur une random vidéo YouTube à la con. Et du coup, bah, 1h30, évidemment, c'était pas rétabli, donc je l'ai appelé, je lui ai dit, bah, que c'était mort, donc je suis rentré, et du coup, j'ai bossé depuis chez moi cet après-midi, quoi. Et sauf qu'après, bah, cet après-midi, du coup, bah, j'ai bossé depuis chez moi. Et après, bah, à partir de 5h30, 6h moins le quart, on va dire, j'ai emmené le grand au judo. Et en fait, ils faisaient une compète du judo aujourd'hui, bah, interclap, quoi. Donc j'y suis resté. Je suis revenu ici, juste complètement à la bourre, il était 7h20, fait que je suis à 7h30 au sport. Donc du coup, je suis reparti directement. Et puis, je suis rentré tard du sport. Donc,
Donc en fait, j'ai pas trop arrêté quoi. Mais là, a priori, c'est bon, ça a été rétabli. Comme quoi, la fibre, c'est bien, mais la fibre, quand il y a une coupure internet, ça fait pas tout. Mais c'est ce qu'ils disent, hein, le pire. C'est ce que Orange te dit quand quand t'appelles pour savoir si c'est en vrac ou pas. Ils disent oui, si vous avez une, si vous avez une autre, si vous avez une autre connexion internet, n'hésitez pas à vous en servir. Tu te dis, mais vous foutez de ma gueule? Ouais, je prends, j'achète, enfin, ouais. Je loue toujours deux lignes internet, hein, au cas où, on sait jamais. Hein. C'est comme quand t'appelles et qu'on te dit n'oubliez pas qu'il y a l'assistance en ligne. Tu fais non mais soyez pas con, si je vous appelle, c'est parce que j'ai plus internet. Si je pouvais consulter l'assistance en ligne, je vous aurais même pas appelé en fait, quoi. Ah, purée. Alors celui-là, il fait quoi? Ah. Non. Je ferai l'autre qui me fait plus de en vert quand même. Oh! Mais barrez-vous! Je vais expliquer ce que c'était les portes avec des ronds là, mais en fait non, parce qu'il y en a qui l'ont peut-être pas fait le jeu donc. Ouais, tout à leur âge, ouais. On se crée une soirée RL à l'occasion. Or, c'est très compliqué parce qu'à partir du week-end prochain, il y a PO. Internet avec le meuf, voilà, et en plus il y a le mini-golf aussi. Ouais. Pour y aller d'Europe, là, qu'est-ce qu'il y a, y a calculatrice qui fait la sienne, moi. En vrai, il y a deux jeux de mini-golf à tester, il y a le Rocket League, j'en ferai bien également. Mais ouais, non, c'est compliqué parce qu'à partir de week-end de la semaine prochaine, il y a PoE, donc du coup, faut l'avoir, mais je vais essayer de me faire, ouais. Je mettrai un message, j'en ai déjà parlé en stream, mais ouais, pendant un bon moment, je pense que je vais faire quelques semaines PoE, quoi. Le Trigon de Battle Oratoire à 110€ la minute, putain, ouais, c'est... Ah, t'as Golf Review Friends? C'est celui que Gramlou a acheté.
Il y a, bah du coup j'ai les deux en fait, j'ai Golf With Your Friends que Grum m'a acheté, et j'ai acheté Golf It parce que il y a Tessa et d'autres qui étaient pro Golf It, donc voilà. Et normalement on fera une battle. C'est la faute d'Elodie. Ah tu l'as pas pris du coup Arrest. C'est vrai que c'est con si t'es un peu cher là. C'est que c'est pas trop souvent c'est les mêmes cas. Bah ouais, non mais en vrai tu peux pas avoir vraiment des opérateurs quoi, enfin. Golfit plus technique. Bah j'ai vu que Golfit surtout il y a. A priori il y a surtout un gros workshop quoi. Alors que j'ai l'impression que Golf With Your Friends c'est peut-être un peu plus fermé peut-être. Ouais. Mais en vrai ce jeu il est magnifique quoi. Enfin franchement toutes les zones sont. Mais je suis trop con, j'ai oublié de level up mes pouvoirs, mais putain. Les ninjas. Puis les musiques elles sont trop belles aussi quoi, franchement. Mais en vrai ce jeu c'est une tuerie de bout en bout quoi. Ils seront nouveau en promo, ouais. Qu'est-ce que je disais en plus fermé? Oui, bah, je sais pas, j'ai l'impression que Golfit a un gros workshop dessus. Alors que j'ai l'impression plutôt que Golf With Your Friends c'est peut-être plus en. Ce jeu il est. Il n'y a pas vraiment de maths quoi. Après j'ai pas fouillé hein. C'est. L'impression c'est plus Golfit tu peux bricoler à bloc. Et l'autre c'est plus en. C'est archi faux d'accord, ok. Et c'est l'impression que j'avais, hein. Mais je me suis pas du tout renseigné. Mais il est chiant, lui. D'accord, ok. Bon, ouais, tant mieux. Ouah. Boum. Yo, boum. Et en vrai, il va être méga relou, mais. Faudrait vraiment que je change d'arme parce que. En fait, cette arme elle est cool, mais elle est tellement lente que c'est compliqué quoi. Ah mince, ça continue. Mais j'aimerais bien cette fin de soirée, au moins une première soirée déjà golf, dans pas trop trop longtemps quoi, mais. Et le problème, comme je disais, vu qu'il y a. Ah, j'ai pas pris le parchemin de puissance, zut. Vu qu'il y a PoE, et je me connais PoE, le problème c'est que si je joue pas à fond, je vais me démotiver, donc faut vraiment que. Je mettrai un message, ouais, je pense, pendant au moins 2-3 semaines, le stream sera full PoE, quoi. Lui il va être tellement relou. Ah! Enfin,
Steam en promo il est à 4€, donc bon, ouais. Autant prendre les deux, par contre, si la promo sur Humble, ça marche aussi. Chaud les marrons, ouais, j'étais un peu juste là. Prochaine seule Steam avant 15 jours, ouais, non, mais c'est. En vrai, c'est. Il y a les seuls tout le temps, de toute façon. Moi, j'en sais rien si je joue SSF ou pas, j'ai pas encore réfléchi. Enfin, j'ai déjà, je sais pas à quel build je vais faire. J'hésite entre tester les. J'hésite entre tester les. Les balistes. Ou alors faire un petit explosive arrow, un truc comme ça. J'avoue que le barrage explosive arrow, il est quand même sexy quand même. Ah mince. Siège Bélista. Bah en fait c'est les nouvelles. Si, Siège Bélista qu'elle s'appelle? J'aime plus. Je sais que ça a changé de nom, mais. Ouais. Mais du coup, oui, la baliste qui tire pas mal, quoi. Pas la. Bon, après, t'as l'autre qui tire électrique, machin, mais. Plus celle de base, quoi. Quand c'est pas ça, c'est aussi au début. Ouais, non, mais clairement. Cette bolique, si j'ai bien compris. Bah, de toute façon, j'ai toujours bien aimé Arc, donc voilà. Donc, moi, ça m'a. Mais clairement, je pense que je prenais le trade parce que ouais, sans trade, ça fait mal comme défaut. Surtout en plus, surtout quand tu joues, si tu joues voilà, à l'arc par exemple, bah, c'est quand même directement lié à l'arme, quoi. Autant spell, des fois, t'arrives à te débrouiller un peu. Enfin, je trouve que c'est plus facile de se débrouiller pour les spells, quoi. Sorcière mal, Land of Love, c'est la zone. Ça se voit que je bluffe. En vrai, c'est toujours hyper flou l'histoire de PE, juste retenu que j'ai commencé le trade au final. Ouais. Ouais, c'est ce qu'il faut retenir. Rain of Arrow, Barra, mais j'ai des loot, faut quand même que chaque casque me sort PE, ouais. Oui, voilà, au pire des cas, si Rain of Arrow, Barrage, ça marche pas, tu mets autre chose, barrage, et je pense que ça fera le taf. Hein. Le seul truc, en fait, moi, c'est. Le truc, c'est si tu joues baliste, il faut que tu joues totem, quoi. Putain, j'aimerais bien voir de l'autre côté ce qui se passe. Ah, l'enfoiré, il disparaît. Ah cool. Prédateur. Ah mais c'est quoi, c'est un skin ça peut-être, non? Comme ça, comme d'hab, voilà, tout me file son stuff et ah, c'est une bonne arnaque, ça. Dès qu'il commence cette trade, elle interagit avec nos vocales, ouais. Ouais, Claude. C'est lui comment Il est fait humanoïde un PO, pas bien. Non. Il y a un gros problème avec Dead Cells, ah.
Non, mais le bluff, il est pas si mal, Gramoul. Après avoir passé une soirée dessus, la zik te reste dans la tête. Ah ouais, non, mais la zik, elle est... Moi, j'adore la zik. Mais par contre, elle est... Ouais, mais pas jouable. Là, il parlait en jouable, Gramoul. Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait... Il y a le truc avec les cloches à faire. Boum! 21 cellules. Bah, ça valait le coup de venir ici, en fait. Ça valait le coup de venir ici. J'ai hésité, mais j'ai bien fait. Alors, les félins humanoïdes, toi, tu mets les centaures dedans? Chaud, quand même. Avec un peu maquillage, mais bon... Ah, mais les centaures sont pas jouables, les Grimaud. Voilà. Bam. Bim. Alors après la terre c'est quoi? Ah non, c'est une mutation. Tuez un ennemi au corps à corps, vous octroyez l'invisibilité pendant une seconde. Ouais, c'est marrant ça. Boum. Cool. Boutique de spécialité, j'ai bien envie de débloquer ça en fait. Hein. Putain, en vrai, il me reste tellement de trucs à débloquer dans ce jeu, mais c'est juste abusé quoi. C'est juste monstrueux en vrai. Allez, deuxième boss du jeu. Et j'ai toujours pas level up mon stuff, mais putain, mais s'il vous plaît, aidez-moi sur le chat, dites-le-moi. Dites-le-moi la prochaine fois que je passe dans une zone, machin, les... Oh, mais elle te chute dans les armes, je me rappelle pas de ça. J'ai l'impression qu'il l'a un peu boosté. Ouais, mais en fait, ils ont dû rajouter plein de trucs, quoi. Assaut. Ok, alors il y a quoi? Épée équilibrée. Attends, elle fait combien ça? Elle fait 300. Ah oui, mais non, mais l'autre elle fait des dégâts complètement débiles parce que oui, parce que j'ai plus 10 000 en 20 en fait.
pire, je peux le mettre en ça. Ouais, c'est prendre ça, on verra bien. Ah, ça là, non. Fait pour promouvoir mes prods et dire que le sound design est super et pousser quelqu'un s'il faut. Qui loue le perfect. Mais y a des... honnêtement, ils l'ont boosté parce que j'ai l'impression qu'ils faisaient pas ça avant. J'ai l'impression qu'ils faisaient pas autant de dash, machin et tout, quoi. Avec juste une courte intro pour les débutants, genre au moins choisir sa classe, que je fasse pas perdre. Va voir les. Honnêtement, va voir les vidéos d'Opure. Il est en train d'en faire en ce moment. Je les ai retweetées il y a pas longtemps. Donc Opure, c'est Hopure. Et il est en train de faire un guide des débutants pour PoE. Et honnêtement, je le trouve plutôt bien expliqué. Et ça le fait quand. Elles sont pas trop longues, il y en a 9 pour l'instant. À chaque fois. Chaque fois, elles doivent durer un peu moins de 10 minutes, quoi. Donc en gros, tu dois avoir une grosse demi-heure pour l'instant déjà. Mais franchement, ouais, c'est. Ouais, mais toi, au moins voir les bases, je pense, c'est une bonne idée. Ah, excellent, ouais, il n'existait pas ce pouvoir-là, quoi. Donc en fait, ça dash et on peut revenir en arrière, quoi. Un produit pour la pose d'Herbie, mais... Ah, peut-être qu'ils vendent des produits pour la peau aussi, hein. Mais il y a des gens sur PoE qui ont un savoir qui est complètement dingue. Par exemple, il y a sur PoEFR, il y a... Merde, en plus il était à l'Hexagon. Il faut que mon cerveau réfléchisse. C'est quand même terrible. J'arrive contre le boss. Je dis, bon, faut que vous m'aidiez, faut que vous me disiez de level up les armes. Je tue le boss. Je rentre dans la zone. Dans la zone, je me dis, bon, il faut que je pense à level up les armes. Et j'y pensais vraiment. J'y pensais. Je claque les cellules. Je me soigne, je sors et je me dis, putain, les armes, j'ai encore oublié quoi. C'est pas possible quoi. C'est pas possible. Mais comment on peut oublier tout à chaque fois? C'est terrible. Alors, nanana. Ça va être content de dire un texte risque pas de péter les plombs. Bon, enfin. Ah non, mais c'est. Mais le pire, c'est qu'en plus, là, j'y pensais vraiment. Quand je suis rentré dans la zone, j'y pensais. Quand je suis rentré dans la zone entre les deux niveaux, j'y pensais. Je me suis dit, ok, faut que je level up les armes. Et en 5 secondes, j'ai oublié, quoi. C'est une catastrophe. Et oui, du coup, je voulais dire, oui, c'est Vindoc qui a une connaissance mais énorme sur le jeu, quoi. Sur PO, c'est monstrueux, vraiment. Peu importe la mécanique dont tu veux parler, il a la réponse. Sur Thunder. Putain, il a jamais fait un blocage, j'en ai pas fait beaucoup. Je vais pas mentir, j'en ai pas fait beaucoup. D'ailleurs, c'est dommage parce que bah justement, la run difficulté max sans se prendre des dégâts, le mec il joue au bouclier. Ah, c'est marrant, je connaissais pas ça, tiens. Ah non, d'accord, on ch... Ah, ok. Ah, c'est marrant en fait, avec l'upgrade que j'ai débloqué là,
J'ai le droit de choisir si je veux avoir des trucs de mêlée, distance, bouclier ou armes aléatoires. Et du coup, là, il me génère 4 armes de mêlée. Ah, c'est marrant. Ça, c'est fort, les decks jumelles. Hein. C'est vraiment très très fort, quoi. Ça fait des gros gros dégâts, quoi. Un trésor maudit. Trésor maudit sur le dernier niveau, c'est juste pas possible. Ah mince, j'ai oublié que c'était un. Ah, ça avait quand même le coup pour le point de vie. Bloqué pourquoi? Néfaste, ouais, j'avoue. Autrement dit, ma run c'est fini à la mine suivante. Ouais. Bah, les decks jumelles, honnêtement, ouais, j'avoue que le build. Et à la base, j'étais parti sur un build full rouge en fait. Et finalement, j'ai switch, mais. Mais j'avoue que les decks jumelles. Je suis très très fan. Prendre de risque quand même. Merde, j'ai pas le bouger. Bon, là, comme j'ai joué super. En fait, le problème, c'est que j'arrive pas à jouer. Mon arme, je galère en fait, c'est les trop lentes. C'est quoi, c'est moi, je connais même pas. J'ai jamais vu ce mob. Un but teinté avec du bloc, c'est un délire, mais les dégâts, c'est notre investissement, le bloc a raison, mais ouais. Aïe.
C'est clair. Deviens la Twingo. Ah mais genre, le mec, il en a à foutre. Putain, je pensais que j'étais safe, moi, j'étais pas... Ça va pas. Heureusement, je les ai fumés sans me faire un... Oh merde. J'avoue que les armes full rouge, ça fait un peu chier. Ça aurait été cool qu'il y ait des trucs cachés à cet endroit-là, quoi. Dommage. Ouais, mais... C'est pour ça que j'étais pas parti sur le vert à la base. Ça, c'est parti des secrets, j'ai jamais eu ça, l'accès à cet endroit-là. S'il faut récupérer des trucs depuis super loin, les traîner jusque là.
Putain, mais j'ai oublié que j'avais un arc quelconque. Ouais, ça peut être pas mal ça. Surtout si je pense à la level up. Non, avec des gemmes pour les sœurs, ça me rend un goût. Non, mais c'est pour ça, vraiment, un guide en vidéo, ça ira bien. C'est quand même pas le chose à connaître hein, sur. C'est pas tout de suite avec Grimmon. Il faut me le dire au moment où je vais être. Où j'ai quitté ce monde-là. Et putain, j'ai pas regardé l'écran. En fait, lui, je le tue parce que je pense qu'il va avoir des plans que j'ai pas. Zut. Le problème c'est que là lui faut pas qu'il me curse sinon je suis En fait j'ai fait super gaffe parce qu'en gros comme vous pouvez le voir en bas à gauche j'ai plus de potion de vie. Le problème de ces boss là en fait c'est quand ils vous touchent ils vous maudissent. Et si vous avez la barre de curse qui est à bloc, vous perdez les points de vie en permanence sauf si vous soignez. Et vu que j'ai plus de points de vie et vu que j'ai plus de potions, bah c'était un coup à crever. Je sais pas quand la fin du niveau mais vous perdez le gré. Ouais je sais. Mais quel connard!
pim 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 pim. Ah, t'as jamais trop envie de mourir juste avant la fin quand même quoi. Pam 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 pam. C'est un peu casse-couille ce jeu en fait. Enfin surtout parce que... Vu que j'ai pas l'habitude à chaque fois de bouffer les patterns alors que c'est toujours le même mais... Voilà, un petit level up encore. Hop. Ouais, même pas. On regarde ça. Mince, je sais plus comment on fait pour balancer la tête. Ouais, c'est comme ça. Ah, mais il est déjà minuit moins 10 en fait. Waouh. J'ai quand même une classe en PO. Ah, c'est compliqué pour PO en fait. Justement, comme, comme dit Rest, il n'y a pas. Le concept de classe, c'est très. C'est très. Très vaste. alors, Reforge. Voilà, merci. Voilà, ça c'est fait déjà. Hop, on va faire réinitialisation, oui. Alors du coup, là on va prendre ça. Histoire d'être plutôt peinard. Et on va prendre les trucs. Vengeance est très bien. Prendre ça à la limite quoi. Ah mais celle-là c'est bien ouais. Ouais ouf. Mais après en vrai Alors il y a une époque où finalement la classe c'était pas vraiment il n'y avait pas une grosse incidence. Maintenant il y en a une parce que suivant la classe t'auras pas les mêmes ascendances possibles. Mais bon ça ça reste du. Ça reste pour plus tard quoi. C'est pas forcément le truc que t'as envie de savoir dès le début. Thank you.
Mais merde. Oh, oh, oh. Je pense. Ouais, c'est l'arme du boss que j'avais là. Ouais, donc il y a vraiment plein de nouveaux schémas en fait. Donc voilà, et là c'est si vous êtes un ouf gueudin et que vous êtes tout fait en 5 cellules, et bah vous pouvez vous avez un nouveau niveau avec un boss, etc. quoi. Mais bon. Je compte déjà cotiser à son, j'ai tellement progressé. Bon bah finalement, je voulais faire deux runs, mais en fait, vu que j'ai pris le temps, bah non quoi. C'est déjà minuit donc. Bon, remarque, tu me diras, je peux refaire une autre run en. Je peux faire une autre run. Putain, ils l'ont changé aussi la fin, je crois. Moi j'adore le thème de base quand même. Mais du coup, ce thème, je crois, j'ai jamais entendu en fait. Ils ont dû le refaire il y a pas longtemps. Non, franchement, la zig de ce jeu, elle est dingue. Elle est vraiment dingue. Enfin, tout ce jeu est fou, en fait. Enfin, vraiment, je pense que c'est mon jeu de l'année 2018, quoi. Mais ouais, non, bah, là, cette orchestration-là, j'ai jamais entendu en vrai. Parce que bah, graphiquement, c'est une tuerie, quoi. Clairement, enfin, quand tu regardes les arrière-plans et tout, les animations, c'est trop bien, quoi. L'enrobage sonore, il tue. Le gameplay, il est complètement fou. C'est là-bas, tu t'en peux pas te rendre compte, c'est pas toi qui joues, mais en vrai, le feeling, il est incroyable. Il y a du contenu à débloquer à n'en plus finir. Il continue à rajouter du. Enfin, il rajoute du contenu en permanence. C'est. Vraiment, c'est. Et en fait, finalement, à chaque fois, à chaque année, pour les Steam Awards, là, j'hésite entre PO et Warframe pour le suivi du jeu, etc. Mais Dead Cells, il le mérite clairement, quoi. Du coup, cette année, j'ai mis des PoE, l'année dernière, j'ai dû mettre Warframe, je crois. Mais en vrai, eux, ils le mériteraient aussi, quoi. Ils le mériteraient largement, quoi.
Et un truc qui est dingue aussi, c'est qu'après, quand tu commences à jouer avec des cellules en plus, t'as d'autres maps qui arrivent en fait. T'as d'autres maps dans les différents niveaux, ça change tout en fait. Ah la misère, d'accord, le 14, voilà, c'est tellement la tristesse, allez, le 14. Et ouais, en fait, du coup, quand tu joues avec des cellules, t'as pas les mêmes modes dans les donjons, dans les niveaux et tout, quoi. Ça change vraiment beaucoup de choses en fait. C'est pas juste plus dur en fait. C'est plus dur, mais il y a encore plein d'autres modifications, quoi. Et t'as d'autres raccourcis, et ainsi de suite, quoi. Enfin, c'est le jeu de l'infini, en vrai. Je me laisse les crédits parce que, ouais, la Zikla, j'ai jamais entendu. Ouais, tu l'as dit que t'es pris de toute manière. Il faut que tu télécharges Obstacle. Je vais quand même refaire une run en une cellule parce que je veux pas aller trop loin en fait. C'est en vrai, il y a quand même un gap de difficulté entre normal et une cellule. Mais c'est cool, ça faisait vraiment longtemps que j'ai pas fini le jeu quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a des mobs que je connaissais pas du tout en fait. Donc il y avait des pouvoirs que je connaissais pas, mais il y avait même carrément des ennemis que je connaissais pas. Et au bouclier. Ouais. Ouais, je pense que ce serait la meilleure façon de crever ça. C'est comme tout, hein, genre de jeu, c'est super fort le bouclier, le pari, etc. Mais bon, si tu foires le pari, tu le prends plein de mouilles, hein, tes dégâts, quoi. Mais d'ailleurs, dans Curse of the Dead Gods, il y a un pari, hein, mais bon, bah pareil, hein, si tu foires ton pari, tu paries avec la tête, quoi. Pourquoi ça n'a pas fonctionné, Shootmania? Je pense qu'il y a pas mal de raisons. Je pense qu'il y a le budget pub, communication, qui fait que bah, ça reste quand même vachement limité. Il y a la thune en tournoi, parce qu'en vrai, si tu veux faire un jeu full PVP, FPS, etc. Il faut que tu aies une scène e-sport, mais pour que tu aies une scène e-sport, il faut que tu mettes de la thune, sinon les gens, bah, ils partent assez rapidement. Je pense que c'est vraiment les trucs qui ont... Enfin, pour moi, c'est peut-être les trucs les plus, quoi. Et après... C'est moi, je trouve ça dommage, c'est le format, enfin, c'est tout le format, hein, ce que je dis toujours. Hein. Le format 1 contre 3, je le trouve vraiment génial. Hein. Et le pire, c'est qu'en plus, au début, ils avaient récupéré pas mal de jeux gros joueurs. Hein. Ils avaient récupéré des gros joueurs de Quake, ils avaient récupéré des gros joueurs de. Enfin, de plein de FPS, quoi. Mais je pense sincèrement que c'est juste parce qu'il n'y avait pas assez de thunes et que du coup, les équipes, ils ont pas aligné des. Il n'y a pas eu de line-up longtemps, quoi. Ça a pris un peu au départ quand ils ont fait les tournois. Et puis ça s'est essoufflé, quoi. Après, il y a peut-être aussi le côté peut-être un peu trop ouais, je pensais pas que c'était aussi long les crédits générique peut-être de l'environnement. Les persos futuristes avec l'environnement générique et le fait que pourquoi RL a eu ce succès? Alors je pense que, par contre, alors je pense que RL a eu du succès grâce au PSN. Parce qu'en vrai, ils avaient fait le même jeu avant, ça n'avait pas marché. Et je pense que le fait qu'il était dans le PSN Plus, il y a plein de gens qui ont pu le tester. Et du coup, ça a apporté du monde sur le jeu. Et vu que tu avais cross-platform PS4, PC, du coup, ça a fait une grosse masse de joueurs et ça a pris. Mais je suis persuadé par contre que Rocket League sans le coup de pub du PSN, il ne serait pas pris parce que personne n'y aurait joué.
Bon, le nom d'avant était vraiment pourri, mais. Donc voilà. Donc ici, c'est tous les trucs débloqués. Hein. Donc quand vous voyez un petit peu où j'en suis, tous les trucs vides, c'est des trucs qu'on peut remplir. C'est complètement débile. Tous les trucs là, c'est les machins à débloquer contre des cellules, quoi. Après, encore une fois, j'ai 80 heures de jeu, mais là, pareil, hein, tout ça, c'est les costumes, c'est débloqué. Hein. J'ai 80 heures de jeu, mais encore une fois, j'en ai fait beaucoup sur l'Early Access, quoi. Et l'Early Access, il n'y avait pas tout ça, quoi. On va prendre celle-là, tiens. Watatata! Ah mince, j'ai pas. Ah non, merde! Ah putain, j'ai pété la porte, du coup je peux pas. Si je fais recommencer, ça fait quoi? Je sens que je vais me faire avoir pour. Je vais me faire avoir pour la thune et les cellules. Pardon. Bon bah j'ai perdu 40 cellules. En fait, c'est pas que je me suis bloqué, mais en gros ici, tu choisis la difficulté. Et vu que j'ai pété la première pièce, à la première porte. Et vu que j'ai pété la première porte, le jeu il considérait que j'ai déjà commencé à jouer en fait. Ce qui est vrai quand. Voilà, là vous voyez par exemple, cet ennemi là il n'existe pas en normal. Bon après c'est pas grave, hein, 40 cellules en vrai. Et il y a des ennemis. Voilà, donc lui c'était sûr qu'il allait me lâcher un truc, c'est les petites étoiles sur la tranche. C'était où le truc? Et en fait, après, il faut essayer de se speeder quand même parce que. Dégâts subis plus 100%, j'aurais pas besoin de ça pour crever. Elle disait en fait faut speeder pas mal parce que t'as des. Bon voilà, je suis à 1 minute 53. Ah si, c'est peut-être 2 minutes. Ouais, 2 minutes. Voilà. Donc là en gros j'ai mis 1 minute 53 pour traverser. Si j'ai mis plus de 2 minutes, le portail serait fermé. Et c'est quand même pas mal celui-là, j'ai 20 cellules plus plein de thunes quoi.
et aussi un truc gratos. Faut prendre ça. Et là pour ça, il faut que je tue 30 ennemis sans subir des dégâts. Donc en fait, ça te pousse quand même au speedrun, quoi. Ça te pousse au speedrun en permanence. Hein. 2024. Ça me paraît être un bon plan. Si, reforger, pourquoi pas. Ah oui, j'avais oublié ça. J'avais oublié qu'en mode... dans les difficultés avancées, en fait, t'as plus des potions entre chaque niveau, quoi. J'avais oublié ce petit détail. En fait, quand tu montes en difficulté, t'as plus forcément le plein de potions entre deux niveaux, quoi. Et ça, c'est ça, là. Et pareil, t'as des plans à débloquer que dans les niveaux avancés, quoi. Traumatique attaque. Ah, c'est une 4 cellules, ça j'ai pas eu. Ah, mais ils le disent maintenant, d'accord. Alors, c'est parce que j'ai débloqué une cellule que maintenant ils le disent. C'est en fait pendant très longtemps, je me suis demandé à quoi ça correspondait les. Attends, j'ai combien de cooldown sur l'autre? J'ai 13 secondes. Cop avec le temps et non pas ça te fait crever à cause de scrolling. La vache. C'est vrai que c'était sur mon stream il y a 3 ans. C'est pas mon camarade, en tout cas moi je suis très bien de slayer. Oh la vache. Ah, aussi un truc qui est génial dans ce jeu. C'est quand tu fais des combos comme ça, t'as ton perso qui se déplace plus vite, qui tape plus vite. En gros, il y a tout qui te pousse à aller toujours plus vite dans ce jeu. Ouais, je vais prendre ça et ça doit avoir plein de points de vie, mais.
Ah, une cellule. Là, je peux y aller. Vous voyez, il y a une seule cellule, donc c'est bon. C'est jamais, hein. C'était pas une... Ok, d'accord. Bon, attends, j'ai pas de pognon, donc c'est pas grave. Je suis où là? Allô? Ouais, voilà. La blessure, non, c'est trop tard là. Ah, ça ne marche plus, monsieur. Prendre les torches. C'est pas mal les torches. Ça peut faire le taf des fois. Ah, mon bouton Y, mais c'était un bouclier en bois merdique. Oh. Ouais, c'est la rose, je m'en fous. Quoi? Excellent. C'est cool ça, colonne d'infanterie. Ouais, non, j'ai gardé l'autre. C'est vrai, quand ils sont les devs, ça m'a même pas étonné qu'il se passe un truc au bout d'un moment à force de mettre des coups de pied, quoi. Ah oui, non, mais c'est n'importe quoi, les... Il y a toujours plein de conneries quand tu prends... Dès que t'es dans les zones de... Dans les zones de... D'histoire ou des trucs comme ça, il y a toujours des... Il y a toujours des vannes. Profondeur de la prison. Est-ce que je veux vraiment aller là? Pas sûr, hein. Oh putain, ils sont là pour changer. En plus, je suis pas allé tout à l'heure. Et c'est ça qu'il y a le choix entre ça et l'autre aussi. On va où déjà par là? Ah, au charnier, ouais. Non, mais charnier, on va éviter. Bon, là, il y avait du pognon à récupérer, voilà. Donc là, en fait, par exemple, vous voyez, cette zone-là, elle vous permet d'avoir trois sorties différentes, quoi. Non, 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 Messenger, je... Oh, oh, j'ai... Ok, très bien. Bah... Putain, j'aurais pas misé... J'aurais pas misé 2 euros, hein, c'est ça. Ah, clairement, tu vois, mais moi je le croirais pas, donc tiens.
Surtout que bon, j'ai quand même bien pris mon temps là. Miroir du chasseur, qu'est-ce que ça? Débloque un miroir près du script qui vous sera très utile dans votre chasse. Ah mais là, ça me donne envie de le tester le machin là. Ah mais je pense que la calculatrice commence à avoir un bon build. Ouais, je vais prendre l'enchaînement, je pense. Ça c'est très grave ça. On va prendre ça, mais bon, en même temps... Cet arrière-plan, c'est sûrement ce que je trouve le plus beau du jeu. Ah, elle fait quoi? Elle fait 451. Alors elle tape moins vite celle-là, mais. Ah, plus 30% sur une cible qui brûle, sachant qu'avec la torche, je peux faire brûler les ennemis. Donc là c'est la sortie par ici. Par ici c'est le boss, hein, donc on va quand même aller voir un peu plus loin s'il se passe des trucs. Des fois il y a des objets cachés un peu plus loin. Des level up ça peut toujours être utile. Hein. Putain, c'est quoi ça? Ok, je ne connaissais pas ce mob, vraiment. Bah non, Cool.
Bah, ça qui est bien, c'est qui dit nouveau mob dit forcément des nouveaux parchemins à choper. Ouais, je crois que là c'est bon, je peux me barrer. C'était combien le timer? Là je suis à 10 000. Ah bah y'a pas de timer, comme ça au moins ça règle le problème. Planification, attaque au corps à corps qui suit dans une compétence inflige 207 dégâts. D'accord. Putain, mais y a tellement de trucs à débloquer, c'est complètement dingue. Salut. Oui. Bim. Alors du coup j'ai quoi? Soin corrompu c'est quand même vraiment bien. Hop là. Tu rôles jamais? Pff, ça arrive, mais en vrai. Le truc c'est que j'ai pas trop de pognon en fait, j'ai que 8 000. Celui-là ça me va. Celui-là, de toute façon, j'utilise pas bien. Là, ça fait des dégâts sur une cible qui brûle. Moi, ça m'arrange, vu qu'il y a Claude, je fais brûler. Et celle-là, c'est vrai que du coup, je pourrais. Je pourrais éventuellement la roll, celle-là. Mais le problème, c'est que. Enfin, ça coûte vite cher et j'ai pas de thunes, quoi. Mais sinon, oui, je suis d'accord que. D'accord qu'il y a des trucs vraiment bien. Des fois t'as des trucs vraiment de fou furieux avec, avec des dégâts complètement pétés si la cible elle brûle, elle sonne, etc. Jouer safe. Hein. Ouais, mais c'est pour le budget, ça que je sens. Putain. C'est dur, ça me donne envie de la prendre. C'est plus 40% de dégâts, c'est complètement débile, mais. Mais le problème, c'est qu'elle est trop longue, quoi. Le pire, c'est qu'elle est même pas vraiment ouf. Hein. Mais non, elle est trop longue, là, je peux pas. Déjà en normal, j'ai fait me faire ouvrir. Des fois que t'en mets pas foulé en buvant, en reprenant la charge. Ouais, mais ça va. Oh!
T'as le speedrun, quoi. Le speedrun continue. Putain, ils abusent, là. J'ai encore putain mais... Ah mais je vais me faire défoncer si je fais ça, comment on va prendre ça. Salut les gars. Ah, du coup il est minuit et demi en vrai. Attends. Je vais dégager des brumes ou alors un truc horrible. Hein. Ouais, voilà, ça. Non, bah, on va jouer safe. Enfin, safe. Le guide des brumes, il est pas super safe, hein, mais. Mais l'autre, il est relou. Honnêtement, l'autre, c'est. Ah, tiens, il y a un. Non, c'est pas sur un pénombre, c'est celui où il y a. Si je dis pas de bêtises, c'est celui où. Où en gros t'as plein de statues et à un moment t'actives un truc. Et toutes ces statues se transforment en mobs à gérer. Et en mobs vraiment méga relou à gérer. Oh le bâtard! Mais quel connard! J'ai cru qu'il était mort, du coup j'ai arrêté. Heureusement que j'ai un peu de vol de vie parce que. Ouais, il est vraiment chaud. En plus, c'est. C'est des mobs que je connais très mal, donc. Non. Déjà, les mobs, ils paraissent chauds et en plus, je les connais pas bien, donc. Ah, j'avoue que ça aurait été un bon moyen effectivement de. C'est vrai que le run aurait été beaucoup plus rapide.
Non mais t'inquiète pas, ça va quand même aller. C'est même ici en vrai, hein. Bah, de toute façon, vous avez vu, hein, genre les capitaines pirates, là tu prends un haut de boulet. Oh putain, même ça. Bon, c'est d'autant plus vrai si en plus je me soigne pas, mais... Je pense qu'il faut un peu, c'est de trouver une compétence qui a l'air de te plaire. Je pense que après c'est plus ça le plus important à trouver dans le PvE quoi. Essayer de chercher un sort qui te plaît quoi. Putain mais c'est par où qu'on va là? Mais quel con! Oh! Bon, en vrai, j'ai cru que j'allais crever là quand même. Ah maintenant ça m'a fait 1, 2, 3, 4. Ah oui, Laura, c'est Ah non. Ouais, c'est pour aller dans une zone où j'ai pas envie d'aller. Hmm.
Oui. Oui, les dagues jumelles. Je dis oui, messieurs. Non, tu me dis ce que tu voulais. Oui, il me faut la clé de VHP pour. La clé. Non, j'ai quand même pas cramé ma clé pour le truc où j'ai dit que je voulais pas aller, si. Je serais un peu triste quand même si c'est le cas. Ah non, ok. Ouais, mais en fait j'ai cru que c'était la zone l'autre zone où il y a besoin d'une clé en fait. J'ai cru que c'était ça qui était indiqué. Le tout serait offensif et néfaste. Salut. Ah mais je suis trop con, pourquoi j'ai... Ouais mais non mais... J'ai même pas bu ma fiole avant de prendre ça, quoi. T'as remarqué, non, c'est... on va pour les PV parce que là, à mon avis, vu comme je les ramasse, ce sera pas inutile.
Un perso qui est dans sa tectonique. Ce serait beau maintenant. Putain mais... Oh mais comme ils sont chiants. Bon allez, comme ça c'est pour le livre. Ah et bah du coup impeccable, je vais pouvoir aller au lit et ça c'est pas dommage. J'avoue que je suis un peu éclaté quand même quoi. Puis comme j'avais dit vu que j'ai une journée de merde demain, c'est pas plus mal. Allez bah du coup bah des bisous tout le monde, bah ça m'a fait super plaisir de rejouer à Dead Cells, hein, clairement, vraiment Dead Cells, hein, si vous l'avez pas, prenez-le. C'est un excellent jeu. Donc demain soir, bah, dernier épisode de Life is Strange 2. Et ça c'est cool. J'attends vraiment ça avec impatience. Vendredi donc sûrement du Darksiders Genesis et samedi du Darksburg donc ouais, fin de semaine vraiment vraiment cool quoi. Ça sera la merde au taf mais en tout cas sur le stream sera génial. Allez des bisous à demain.